Everybody. Bonsoir à tous. Are you awake now? Est-ce que vous êtes bien réveillés maintenant? I'd like to welcome you to the Amazing Facts Bible Prophecy Seminar. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette série de conférences tenues par Amazing Facts. My name is Tyler Long and I travel with my wife about 9 months out of the year. We go all around the world presenting seminars on the Bible. Et je voyage avec mon épouse 9 mois pendant l'année pour présenter des conférences bibliques sur la prophétie. I was here in Montreal last June and I absolutely fell in love with Montreal, Quebec. Et j'étais ici au mois de juin et je suis tombé en amour avec Montréal et la belle province de Québec. This is a very beautiful city. Blessed to live here. Et c'est une ville extraordinaire et on prend plaisir d'y vivre. I'd like to tell you a little bit about myself before we get started. Et j'aimerais vous parler un petit peu de moi avant de commencer. I'm hoping as you come out night by night that I can also get to know a little bit about you. Et j'espère que soir après soir, moi aussi j'apprendrai à vous connaître. Now I was raised in what you might consider a Christian home. Et j'ai été élevé dans ce que vous pouvez considérer comme une maison, une famille chrétienne. My parents divorced when I was very young. Et mes parents se sont divorcés tandis que j'étais très jeune. My father's side of the family is primarily Catholic. Et du côté de mon père, eh bien, ils étaient particulièrement catholiques. My mom's side of the family is primarily Protestant. Et le côté de ma maman, eh bien, c'est particulièrement protestant. And my mom jumped around to many different churches when I was growing up. Et ma mère fréquentait différentes églises tandis que je grandissais. So any given weekend, I could be in any church in that community. Et à chaque fin de semaine, je pouvais me trouver dans n'importe quelle église de la communauté. And I have learned that God has many loving people in many different faiths and practices. Et j'ai appris que Dieu a des personnes très aimantes dans tout est enregistré quand vous êtes rentré ici ce soir. Now, registration is very, very important. Et l'enregistrement est très, très important. Registration helps us with a couple of things. Et l'enregistrement nous aide avec plusieurs choses. Number one, it tells us how you heard about the Amazing Facts Seminar. Et premièrement, cela nous permettra de savoir comment vous en avez entendu parler de ce séminaire. And just in case we had to cancel the night, we could then get in contact with you. Et au cas où nous aurions à annuler une soirée, eh bien, nous pourrons rentrer en contact avec vous. Now, we are not planning on canceling any presentations. Et nous ne planifions d'annuler aucune présentation. But 2 weeks ago, I was in the state of Maryland doing a seminar. Et il y a de cela 2 semaines, j'étais dans l'état de Maryland pour présenter des séminaires. I was there when Hurricane Irene came through. Et c'est à ce moment-là que la tempête Irène fit irruption. And when Hurricane Irene came through, we had to cancel one of the nightly topics. Et quand cette tempête a frappé, nous étions obligés d'annuler une des soirées. We're not expecting any hurricanes in Montreal, are we? Et nous ne nous attendions pas à avoir aucune tempête à Montréal, n'est-ce pas? Wonderful. I think we'll be okay then. Et je suppose que ça va bien aller, n'est-ce pas? There's another reason why you want to register. Il y a une autre raison pour laquelle nous devons enregistrer. It helps us to know how many people attend each night. Et cela nous permettra de savoir combien de personnes qui fréquentent nos conférences chaque soir. We are working on a budget and we want to make sure we have enough study guides for everybody. Et nous travaillons avec un budget, cela nous permettra de savoir exactement eh bien combien de guides d'études bibliques à préparer pour vous. Each night when you leave, I'm going to give you a copy of my sermon notes. Et à chaque fois que vous allez laisser cette salle, je vais vous donner une copie de mes notes de sermon.
So each night from here on out, when you show up, you want to stop by the registration desk. Et chaque soir, tandis que vous allez y entrer, vous devez vous arrêter sur la table d'enregistrement. And just tell them your name, and they'll be sure to mark down that you were here. Et juste à dire votre nom, eh bien, ils vont enregistrer votre présence. On future nights, we also want to give away a special gift, do a drawing. Et à travers les soirs suivantes, nous allons donner des cadeaux et en faisant des tirages au sort. And so by registering, you will then be entered into that drawing. Et tandis que vous vous enregistrez, on mettra votre nom dans cette boîte pour faire le tirage. With that said, let's get right into our nightly presentation. Et ceci étant dit, nous allons rentrer directement dans notre présentation. I believe we have some Bibles here, if somebody would like to borrow a Bible. Et je crois que nous avons des Bibles ici, s'il y a quelqu'un qui a besoin de prêter une Bible. If you would like to borrow a Bible, just raise your hand. Si vous avez besoin de prêter une Bible, vous n'avez juste qu'à lever la main. And we've got some ushers that will bring you a Bible. Et nous avons nos hussières qui sont prêtes à vous prêter une Bible. Now, for a number of years, I taught in the college classroom. Et pendant des années, j'ai enseigné dans des salles de classe au niveau collégial. And I would tell my students to always bring their textbooks. Et je demande toujours à mes étudiants d'amener leurs livres de texte. Well, during this Amazing Facts seminar, we all have one textbook. Et pendant ce séminaire, eh bien, nous allons avoir qu'un seul livre. And the textbook is the Bible. Et ce livre, c'est la Bible. And so if you would like to borrow a Bible, you're welcome to do so. Et si vous voulez emprunter une Bible, vous êtes bienvenu. But when you leave this evening, make sure you turn your Bible in at the registration desk. Et quand vous allez laisser, eh bien, remettez cette Bible à la table d'enregistrement. Now our topic this evening is entitled Countdown to Eternity. Le sujet de ce soir a pour titre Compte à rebours pour l'éternité. This is one of my favorite subjects in the Bible. Et c'est l'un de mes sujets favoris dans la Bible. Tonight's topic is going to lay the foundation for future nights. Le sujet de ce soir va mettre la table pour les soirées à venir. Now this seminar goes 5 nights a week. Et pendant ce séminaire-là, nous allons être présents 5 soirs par semaine. We will be meeting on Friday, Saturday, Sunday, Tuesday and Wednesday nights. Et on va se rencontrer vendredi, samedi, dimanche, mardi, mercredi. Okay. Tomorrow night we're going to talk about why bad things happen to good people. Et le sujet de demain soir est le suivant. Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Tomorrow night we're going to study the Satan's strategy of attack in these last days. Et demain on va étudier la stratégie de Satan eh bien dans les derniers temps. On Sunday night, we're going to study this temple that's described in the book of Revelation. Et dimanche soir, on va parler de ce temple qui a été décrit dans le livre de l'Apocalypse. On Tuesday night, we're going to study some end-time prophecy that's found in the book of Daniel. Et mardi soir, nous allons étudier des prophéties qui se trouvent dans le livre de Daniel. On Wednesday night, we're going to study Satan's greatest deception. Et mercredi soir, la grande déception de Satan. Our focus each night is going to be on Bible prophecy. Et nous allons mettre l'accent sur la prophétie biblique soir après soir. But as we study Bible prophecy, we're also going to be studying the major themes of the Bible. Et tandis que nous étudions la prophétie biblique, nous allons voir ensemble les thèmes principaux de la Bible. Before we get started, let me make you one promise. Et avant de commencer, je vais vous faire une promesse. If you come to the seminar each night, si vous venez à ce séminaire chaque soir, you will learn more from the Bible than perhaps you have your entire life. Et vous allez apprendre de la Bible beaucoup plus que vous avez déjà appris pendant toute votre vie.
Everywhere I go doing these seminars, people tell me how much they've learned. Et à chaque fois que je présente ces séminaires, les gens me disent combien qu'ils ont bénéficié de ces séminaires. Now let's study Countdown to Eternity. Alors étudions maintenant le compte à rebours pour l'éternité. But before we open the Bible, let's bow our heads and have a word of prayer. Avant d'ouvrir la Bible, baissons nos têtes et prions. I'm going to invite you to pray. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce privilège d'être ici ce soir, tandis que nous ouvrons ta parole. S'il te plaît, par ton Esprit Saint, ouvre notre cœur et instruis-nous toi-même. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Our subject this evening, Countdown to Eternity. Le sujet de ce soir, compte à rebours pour l'éternité. How many of you have ever wondered how the world is going to end? Combien d'entre vous vous êtes déjà posé la question comment ce monde va finir? Down through time, both men and women have not only predicted how, but some have predicted when. Et pendant les siècles, eh bien, des hommes et des femmes ont prédit comment, mais aussi quand. If you were to stop and ask the average person on the street today how the world will end, you would get a whole plethora of different answers. Et si vous demandez à des gens ce que vous rencontrez dans la rue, comment ce monde va finir, vous allez trouver une pléiade de réponses. There are some that will tell you the world's going to end through a large flood. Et il y en a qui vont dire que ce monde va finir, eh bien, avec un déluge. Because of global warming and as ice caps continue to melt, it will cause a great flood around the world. Et ils disent que à cause du réchauffement de la planète, eh bien, les glaces vont fondre et ça va faire, eh bien, un déluge sur la Terre. Still, there's others who believe the world's going to end through nuclear war. Et il y en a qui disent que ce monde va finir, eh bien, avec une guerre nucléaire. There are some who believe the world's going to end because a meteor, an asteroid, is going to collide with planet Earth. Et d'autres disent à cause des astéroïdes qui vont frapper la planète Terre. Still, there are some who believe the world will end because aliens are going to come back and destroy the human race. Et d'autres disent qu'il y a, eh bien, des extraterrestres qui vont descendre sur la Terre et détruire la Terre. You know, Hollywood has picked up on this theme, and many of the movies that they make deal with this very same scenario. Et Hollywood, eh bien, a pris ce thème-là et a fait des films pour présenter, eh bien, à l'humanité tout entière. Still, there are some who try to set dates as to when the world is going to end. Et il y en a même qui ont donné des dates sur le moment où la Terre va être détruite. There was one group that was predicting the world ending on May 21st of this year. Et il y a un groupe qui a même prédit que, eh bien, ce monde va finir le 21 mai 2011. How many of you are aware that the world did not end May 21st? Et combien d'entre vous, eh bien, sont au courant que le monde n'a pas pris fin le 21 mai? Yet this group continues to set dates. Et ce même groupe continue de donner des dates. Some believe this coming October the world's going to end. Et ils disent que en octobre, eh bien, ce monde va arriver à sa fin. Others believe, based on the Mayan calendar, that the world will end December 21st, 2012. Et d'autres disent que ce monde va prendre fin le 21 décembre 2012. Jesus tells us in Matthew chapter 24 that no man knows the day or the hour. Et Jésus déclare dans Matthieu chapitre 24, personne ne sait ni le jour ni l'heure. So anybody who tries to set dates, run as fast as you can away from that individual. Et si une personne, eh bien, essaie de vous donner une date, eh bien, vous devez fuir le plus rapidement possible de cette personne. We see that even newspapers are running articles with the question, what the Bible says about the end of the world. Et les journaux, eh bien, écrivent des articles sur comment le monde va finir. Today, people are studying their Bibles like never before. Et de nos jours, les gens étudient leur Bible comme jamais auparavant. Today, people are studying Bible prophecy like never before. Et aujourd'hui, les gens étudient les prophéties bibliques comme jamais auparavant.
People are interested in the future. Et les gens sont intéressés à l'avenir. People are interested in Bible prophecy. Ils sont intéressés à la prophétie biblique. And one third of the Bible is prophecy. Un tiers de la Bible présente des prophéties. If you've ever wondered about the future, if you've ever wanted to study Bible prophecy, then friends, you are in the right place. Et si jamais vous êtes intéressé à étudier les prophéties bibliques, vous êtes à la bonne place. One of my favorite prophecies in the Bible is found in the second chapter of Daniel. Et l'une des prophéties que j'admire le plus se trouve dans Daniel au chapitre 2. If you have a Bible, go with me to Daniel chapter 2. Et si vous avez une Bible, regardez avec moi dans Daniel chapitre 2. Now Daniel is found in the Old Testament. Et Daniel se trouve dans l'Ancien Testament. Daniel is found about two-thirds of the way into the Bible. Et Daniel se trouve à peu près aux deux tiers de la Bible. If you're not sure how to find Daniel, either ask the person next to you or go to the index in the very front of the Bible. Et si vous n'êtes pas sûr où se trouve Daniel, demandez à la personne à côté de vous ou bien allez à l'index de la Bible et ça va vous donner la page où se trouve Daniel. The second chapter in the book of Daniel is the key that unlocks all the prophecies in the Bible. Le chapitre 2 de Daniel, nous trouvons la clé qui ouvre toutes les prophéties de la Bible. Daniel chapter 2 is the starting place to understand Bible prophecy. Et Daniel chapitre 2, c'est la clé qui nous permet de commencer à comprendre les prophéties. This Daniel that we're going to read about tonight is the same Daniel that was cast into that den of lions. Et ce Daniel dont nous allons lire ce soir, c'est le même qui a été jeté de la fosse aux lions. Go back with me if you would 2600 years. Et retournez 2600 ans en arrière avec moi. The armies of Babylon have invaded God's people. Les armées de Babylone ont envahi le peuple de Dieu. The city of Jerusalem is destroyed. Et la ville de Jérusalem a été détruite. The Babyloniens ont été amenés captifs par le roi Nebuchadnezzar. When Babylon conquered God's people, they brought many of the young men back to Babylon with them. Quand les Babyloniens ont pris captif le peuple de Dieu, ils ont amené avec eux beaucoup d'Israéliens. Among those captives was Daniel. Et parmi ces captifs, il y avait Daniel. Daniel was around the age of 15 when this took place. Daniel avait environ 15 ans quand cela s'est passé. As a young man, he was taken to a distant land. Et en tant que jeune, il a été amené dans une terre éloignée. As a young man, Daniel never saw his family. Daniel never saw his home again. Et pendant longtemps, il n'a jamais vu sa famille. Il n'a jamais vu sa terre natale. As a young man, Daniel had to learn a new language. Daniel had to learn a new culture. Daniel devait apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. While I'm in Montreal, I hope to learn a new language. I hope to learn a new culture. Pendant que je suis à Montréal, j'espère apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue. Does that sound good to you guys? Est-ce que cela sonne bien pour vous? Amen. Amen. Yes. So Daniel is carried back to Babylon. Et Daniel a été amené à Babylone. The ruler of Babylon was a dictator. His name, King Nebuchadnezzar. Et le dictateur de Babylone, son nom était roi Nebuchadnezzar. Now the Babylonians place great importance on their dreams. Et les Babyloniens attachent beaucoup d'importance aux rêves, aux songes. And one night, King Nebuchadnezzar had a most remarkable dream. Et un soir, le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve remarquable. Yet there was only one problem. He couldn't remember what he dreamt. Et il y avait un seul problème. Il ne pouvait pas se rappeler de quoi il a rêvé. Has that ever happened to you before? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Have you ever woken up in the middle of the night and you forgot what you dreamt? Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit et vous avez oublié de quoi vous avez rêvé? Or maybe you woke up and you remembered what you dreamt and so you tried to go back to sleep to continue that dream. Et peut-être que vous êtes réveillé, vous vous êtes rappelé de quoi vous avez rêvé et vous souhaitiez retourner dormir et continuer ce même rêve. It doesn't work for me and it probably doesn't work for you either. Et cela ne marche pas pour moi, peut-être pas pour vous non plus.
Well, that night, as Nebuchadnezzar woke up, et ce soir, tandis que Nebuchadnezzar s'est réveillé, as he laid in his bedchamber, the wise men of Babylon came into him. Et tandis qu'il était dans sa chambre, les sages de Babylone sont venus à lui. Now, this story is told in the first 13 verses of Daniel chapter 2. Et cette histoire est raconté dans les 13 premiers chapitres de Daniel. The king tells them that he had a most remarkable dream, but he asks them to give them to give him the interpretation. Et le roi a eu un rêve extraordinaire et il a demandé aux sages de lui donner l'interprétation. And these wise men say, "Sure, king, we'll give you the interpretation. Just tell us what you dreamt." Mais les sages de lui dire, eh bien, dites-nous le rêve et nous allons vous donner l'interprétation. But there was a problem. Mais il y avait un problème. The king not only wanted to know what he had dreamt, but he also wanted to know the interpretation. Mais le roi voulait savoir de quoi il a rêvé et aussi l'interprétation. When the king realizes that these guys can't give him either, he orders a death decree against all the wise men of Babylon. Et tandis que les sages ne pouvaient pas lui dire quel rêve qu'il a fait et lui donner l'interprétation, il a ordonné un décret de mort pour tous les sages. Now, Daniel was not involved in this nightly meeting, but he was included in the death decree. Daniel n'était pas invité à cette rencontre, mais il est aussi touché par ce décret de mort. Now think about Daniel. Et pensez à Daniel un peu. At a young age, he's taken captive. Et très jeune, il a été amené captif. The Bible never mentions a Mrs. Daniel. Et la Bible n'a jamais mentionné un Daniel qui a été enlevé. The Bible tells us that Daniel was made into a eunuch. Et la Bible dit que Daniel a été fait un eunuque. Daniel never saw his family again. Il n'a jamais vu sa famille. Daniel never saw his home again. Daniel n'a jamais vu sa maison. And now a death decree is placed on Daniel. Et maintenant, un décret de mort est placé sur la tête de Daniel. Is it safe to say that Daniel is having a bad year? Est-ce que je peux dire que Daniel a eu, eh bien, une mauvaise année? Have you ever had a bad year? Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir une mauvaise année? Have you had a bad month or maybe a bad day? Et peut-être même un mois qui n'était pas trop bien pour vous ou bien une mauvaise journée. Notice how Daniel reacted to this situation. Et remarquez comment Daniel a réagi à cette situation. Let's go to Daniel chapter 2 and we'll start in verse 18. Et allons dans Daniel chapitre 2 et commençons avec le verset 18. Actually, let's back up to verse 17. Et lisons de préférence le verset 17. The Bible says in verse 17, "Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions." Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hananiah, Michael et Azariah, ses compagnons. So Daniel knows about the death decree. Et Daniel est au courant du décret de mort. Instead of complaining about it. Et au lieu de se plaindre. Instead of getting angry about it. Au lieu de se mettre en colère. Instead of shaking his fist at God and saying, "Why me? Why me?" Au lieu de montrer son point à Dieu et de lui dire, "Pourquoi moi? Pourquoi moi?" Daniel gets with his three friends. Daniel rencontra ses trois amis. And notice what they do in verse 18. Et remarquez ce qu'ils ont fait au verset 18. In verse 18, the Bible says that they would desire mercies of the God of heaven concerning the secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Ils s'engagèrent à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. The Bible says that they desired mercies from the God of heaven. Et la Bible dit qu'ils imploraient la miséricorde du Dieu des cieux. In other words, what they did is they prayed. Et en d'autres mots, ce qu'ils ont fait, ils ont prié. Daniel believed in prayer. Daniel croyait dans la prière. Daniel knew that prayer would help his situation. Daniel savait que la prière pouvait aider
la situation. We can learn from the example of Daniel. Nous pouvons apprendre de l'exemple de Daniel. When our life is spiraling out of control. Et quand nos vies semblent être, eh bien, hors de tout contrôle. When our world is falling apart all around us. Et quand notre monde semble, eh bien, s'effriter autour de nous. Maybe there's challenges in our marriage. Et peut-être qu'il y a des défis dans votre mariage. Maybe there's challenges within relationships. Peut-être qu'il y a des défis dans vos relations. Maybe we're looking for work. Et peut-être que vous êtes en train de chercher un emploi. Maybe we recently found out some bad news from the local doctor. Et peut-être que votre médecin vous a annoncé une mauvaise nouvelle sur votre santé. No matter what challenge we face in our life, we can follow the example of Daniel. Et peu importe le défi que nous rencontrons dans notre vie, nous pouvons suivre l'exemple de Daniel. The Bible says that Daniel desired mercies from the God of heaven. La Bible dit que Daniel implorait la miséricorde du Dieu des cieux. If you're facing a challenge tonight, I would ask you to follow the example of Daniel. Et si vous faites face à un défi dans votre vie, je vous invite à suivre l'exemple de Daniel. That night as Daniel went to sleep. Et ce soir-là quand Daniel a été se coucher. The God of heaven not only gave Daniel the dream but also gave Daniel the interpretation. Le Dieu des cieux n'a non seulement donné à Daniel le rêve que le roi avait fait mais aussi son interprétation. Think about this. Et pensez à cela. Daniel is going to die the next day. Daniel va mourir le jour suivant. Yet Daniel had so much trust in God, he was able to go to sleep that night. Daniel avait tellement confiance en Dieu, il était capable de dormir ce soir-là. Do you think Daniel stayed awake all night staring at a ceiling? Pensez-vous que Daniel est resté éveillé pendant toute la nuit regardant le plafond? Did Daniel worry about what the future would hold? Est-ce que Daniel se posait des questions au sujet de ce que l'avenir renferme? Daniel had a trust. Daniel had a belief that God would take care of him. Daniel avait cette confiance que Dieu prendra soin de lui. I know all of us have had those sleepless nights. Et je sais que plusieurs d'entre nous ont des nuits sans sommeil. Your body is physically tired. Votre corps est physiquement fatigué. But you lay in bed all night tossing and turning. Mais vous êtes couché sur votre lit et bien vous vous tournez. Maybe you think about your childhood. Et peut-être que vous pensez à votre enfance. Maybe you think about how people had done you wrong. Et peut-être que vous pensez aux abus qu'on vous a fait. You think about what that person said at work that day. Et vous pensez à ce que cette personne, eh bien, a dit sur vous pendant cette journée-là. And you look at your alarm clock and it says 2 a.m. Et vous regardez à votre réveil et ça dit 2 heures du matin. And you say to yourself, if I were to go to sleep right now, I can still get 5 hours of sleep. Et vous vous dites, si jamais j'arrive à m'endormir, je vais seulement avoir 5 heures de sommeil. But then your alarm clock says 3 a.m. Et votre réveil dit 3 heures du matin. Then it says 4 a.m. Et 4 heures du matin. Then it says 5 a.m. Et 5 heures du matin. And then you say, oh, forget about it, I'm just going to get up. Et vous dites, oublie tout cela, je vais me réveiller. But when you look at the life of Daniel, et vous regardez la vie de Daniel, Daniel did not have this problem. Daniel n'avait pas ce problème. Daniel had a trust in God. Daniel avait cette confiance en Dieu. Daniel knew that prayer would make a difference. Daniel savait que sa prière allait faire une différence. How many of you this evening want to follow the example of Daniel? Combien d'entre vous aimeraient suivre l'exemple de Daniel? How many of you this evening are willing to at least give God a try in your life? Combien d'entre vous aimeraient donner au moins à Dieu cette chance d'essayer dans votre vie? The next morning, Daniel is ushered into the presence of King Nebuchadnezzar. Et le lendemain matin, Daniel se précipita en la présence du roi Nebuchadnezzar. And as he stands before the king, everybody wants to know, does he have the dream? Does he have the interpretation? Et tandis qu'il est debout devant le roi, tout le monde se demandait, est-ce qu'il a le rêve? Est-ce qu'il a son interprétation? Let's go to Daniel 2. 27. Et regardons dans Daniel chapitre 2 le verset 27. The Bible says, Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers show unto the king. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Daniel is asking them a question. Daniel se demanda une question. Daniel is asking them, cannot the wise men, what about these men on your payroll?
Can't they give you the answer? Et Daniel posa la question, eh bien ces hommes-là qui sont sur votre payroll, est-ce qu'ils ne peuvent pas vous donner la réponse? But Daniel gives us a beautiful answer in verse 28. Et Daniel nous donne une réponse magnifique au verset 28. The Bible says that there is a God in heaven that revealeth secrets and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed are these. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sous ta couche. Daniel tells us there is a God in heaven. Et Daniel nous dit il y a un Dieu au ciel. He doesn't say I think there's a God in heaven. Il n'a pas dit je pense qu'il y a un Dieu au ciel. He doesn't say I heard there's a God in heaven. Il n'a pas dit j'ai entendu qu'il y a un Dieu au ciel. He doesn't say I read on a bathroom wall that there might be a God in heaven. Il n'a pas dit j'ai lu sur un mur d'une toilette qu'il y a un Dieu au ciel. With assurance, Daniel believed that there was a God in heaven. Avec assurance, Daniel croit qu'il y a un Dieu au ciel. This same God that took care of Daniel is the same God that can take care of us today. Et ce même Dieu qui a pris soin de Daniel, c'est le même Dieu qui prendra soin de nous aujourd'hui. How many of you want to find out about this dream? Combien d'entre vous qui aimeraient, eh bien, connaître ce rêve? Let's read what Daniel says to King Nebuchadnezzar. Et lisons ce que Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar. Let's start in verse 31. Et lisons à partir du verset 31. The Bible says, "Thou, O king, sawest, and behold, a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible." Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Daniel tells Nebuchadnezzar that he saw this great image. Et Daniel dit au roi Nebuchadnezzar, il a vu, eh bien, cette grande image. Can you imagine what the reaction of Nebuchadnezzar must have been? Est-ce que vous pouvez imaginer la réaction du roi Nebuchadnezzar? You know, the Bible says that God and God alone knows the hearts of men. Et la Bible dit Dieu et Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Which means I can't read your mind and you can't read my mind. Cela veut dire tout simplement je ne peux pas lire dans votre pensée et vous ne pouvez pas lire non plus la mienne. Now, if I could talk to the husbands here real quick. Et si je peux parler au mari rapidement ce soir. You might think that your wife can read your mind. Et vous pouvez penser que votre épouse peut lire votre pensée. There are times that I think my wife can read my mind. Et des fois, je pense que ma femme peut lire ma pensée. But it's because we've been married for 12 years. C'est tout simplement parce que nous sommes mariés depuis 12 ans. But the Bible says only God knows what we're thinking. Et la Bible dit seulement Dieu sait ce que nous pensons. Even the devil cannot read your mind. Même le diable ne peut pas dire ce qui se passe dans votre tête. Is that good news, yes or no? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Only God knows what we're thinking. Seulement Dieu sait ce que nous sommes en train de penser. Well, let's continue with this dream. Et continuons avec ce rêve. Let's continue in verse 32. Verset 32. This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Verse 33. Verset 33. His legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. And verse 34. Verset 34. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Now notice on the screen, we've got an artist's rendition of what this image would have looked like. Et remarquez sur l'écran, eh bien, ce qu'un artiste a fait en essayant de décrire la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue dans son rêve. The Bible says that the king saw a great image. Et la Bible dit que le roi a vu une grande statue. The Bible says that the head was made of gold. Et la Bible dit que la tête était faite en or. The chest and arms were made of silver. Et la poitrine était faite en argent. The belly and thighs were made of brass. Et
Les cuisses étaient faites en airain. The legs were made of iron and the feet were a mixture of iron and clay. Et les jambes étaient faites en fer et les pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Then there's this rock that was cut out without hands, which hits the image on the feet of iron and clay and breaks the image to pieces. Et voilà, il y a une pierre qui est venue qui a frappé cette statue au pied et a détruit cette statue en petits morceaux. Now maybe you're wondering what on earth does this dream mean? Et peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que cela représente? Now there are three things we must understand. Il y a trois choses que nous devons comprendre. When it comes to studying the Bible. Et en étudiant la Bible. When it comes to studying Bible prophecy. En étudiant les prophéties de la Bible. Number one, make sure there's no private interpretation. Numéro un, évitez toute interprétation personnelle. What I think does not matter. Et ce que je pense, c'est pas ça qui importe. What anybody else thinks does not matter. C'est pas ce que les autres pensent qui a de la valeur. No private interpretation. Et aucune interprétation personnel. Number two, let the Bible interpret itself. Numéro 2, laissez la Bible s'interpréter elle-même. The Bible is its own self-interpreter. La Bible est capable de s'interpréter elle-même. In the book of Revelation, dans le livre de l'Apocalypse, there are approximately 404 verses. Il y a à peu près 404 versets. Out of those 404 verses, more than 270 are actually quoting other parts of the Bible. Et plus de 270 versets, eh bien, font référence à d'autres parties de la Bible. So to understand the book of Daniel, to understand the book of Revelation, we need to use the entire Bible. Et pour comprendre le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, eh bien, il faut aller à travers toute la Bible. And number three, read the immediate context. Et numéro 3, il faut lire le contexte immédiat. If you have a question in the Bible, the answer is usually in the next couple of verses. Et si vous avez une question dans la Bible, la réponse est habituellement dans les versets qui suivent. Well, let's find out about this dream. Et regardons ce rêve ensemble. Let's go to Daniel chapter 2 and verse 38. Et Daniel chapitre 2 verset 38. Daniel told the king what he dreamt. Daniel dit au roi ce qu'il a rêvé. But now he's going to give the king the interpretation. Et maintenant, il va donner au roi l'interprétation de son rêve. The interpretation begins in verse 38. L'interprétation commence au verset 38. The Bible says, and wheresoever the children of men dwell, the beast of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui est la tête d'or. Daniel tells King Nebuchadnezzar that it is God that put him in command. Et Daniel dit au roi Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui l'a placé aux commandes. It is God that brought the king to power. Et c'est Dieu qui a mis le roi et au pouvoir. And as he looks at Nebuchadnezzar, he says, you are this head of gold. Et tandis qu'il regarde Nebuchadnezzar, il lui a dit, c'est toi qui es la tête d'or. Now, Nebuchadnezzar represents the entire kingdom of Babylon. Nebuchadnezzar représente, eh bien, le royaume entier de Babylone. What you will discover is each of these metals represents a different kingdom. Et ce que vous allez découvrir, c'est que chaque métal représente un royaume. This great image is actually a timeline of world events. Et cette grande statue, eh bien, représente les événements qui vont arriver pendant et toute la période de la terre. Babylon began around 600 years before the birth of Christ. Et Babylone commence environ 600 ans avant la venue de Jésus. This image is going to bring us all the way down to the 21st century. Et cette image va nous conduire jusqu'au 21e siècle. He tells Nebuchadnezzar, you are this head of gold. Et il dit à Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. When Nebuchadnezzar heard that he was the head of gold, I'm sure it appealed to his male ego.
Et quand Daniel a dit à Nebuchadnezzar, c'est lui qui est la tête d'or, cela a renforcé un petit peu son orgueil. Gold is a fitting symbol for Babylon. Et l'or est un symbole qui représente bien Babylone. Their currency was gold. Et leur monnaie était l'or. They have found gold in the walls and the streets and on the chariots of Babylon. Ils ont trouvé de l'or dans les rues et dans les chariots de Babylone. Babylon was the first great world empire. Et Babylone était le plus grand empire du monde. Notice some of these facts about Babylon. Et nous allons remarquer des faits au sujet de Babylone. Babylon was 10 miles around. Et Babylone avait un périmètre de 10 miles ou 16 kilomètres. Now I realize that's nothing compared to Montreal. Et vous pouvez réaliser, c'est rien en comparant à Montréal. But when you compare it to Rome, which was only 6 miles, and Athens, which was only 4 miles. Mais quand vous le comparez à Rome, qui était seulement 6 miles, et Athènes, 4 miles, Babylon was surrounded by these walls that were more than 30 meters high. Et Babylone était entouré de ces grands murs qui étaient de 30 mètres de haut. These walls were so wide on the top, you could race two chariots side by side around the entire city. Et ces murs étaient tellement larges, vous pouvez courir deux chariots côte à côte. Most archaeologists believe that Babylon had an altar that was made from 8.5 tons of solid gold. Les archéologistes croient que, eh bien, on a trouvé des autels qui pèsent 8.5 tonnes d'or. How many of you would love to find that altar? Combien d'entre vous auraient aimé trouver cet autel? How many of you think you could retire on 8.5 tons of solid gold? Pensez-vous que vous pouvez prendre votre retraite avec 8.5 tonnes d'or? Especially with the price of gold hovering about $1,800 an ounce. Et particulièrement quand l'once d'or maintenant se vend à plus de $1,800. Babylon was the first great world empire. Et Babylone était le plus grand empire. Babylon ruled from 605 to 539 BC. Et Babylone a régné de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Daniel 2:39 tells us that Babylon would not last forever. Et Daniel chapitre 2 verset 38 nous dit que Babylone ne va pas régner pour toujours. The Bible predicts there'll be three more great world empires. Et la Bible prédit qu'il y aura trois grands autres empires. Let's read verse 39. Et lisons au verset 39. The Bible says, "And after thee shall arise another kingdom, inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth." Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. The Bible says there'd be a second kingdom. Et la Bible dit qu'il y aura un autre royaume. The Bible says there'd be a third kingdom of brass. Il y aura un troisième royaume de bronze. Now the second kingdom is represented by the chest and arms of silver. Le deuxième royaume est représenté par la poitrine et les bras en argent. We know from history that it was the Medes and Persians who came together to overthrow Babylon. Et l'histoire nous dit c'est les Mèdes et les Perses qui se sont mis ensemble pour renverser Babylone. And silver is a fitting symbol for the Medes and Persians. Et l'argent est un symbole qui représente bien les Mèdes et les Perses. Their currency was made from silver. Et leur monnaie était faite en argent. Now we know history confirms this, but what does the Bible have to say? Et nous savons que l'histoire le confirme, mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? In Daniel 5:28, it mentions the Medes and Persians by name. Et dans Daniel chapitre 5, le verset 28, eh bien, la Bible mentionne les Mèdes et les Perses par leur nom. King Nebuchadnezzar's grandson is told that his kingdom would be divided and given
to the Medes and the Persians. Et le petit-fils de Nebuchadnezzar, eh bien, a appris que son royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Isaiah chapter 45. Ésaïe chapitre 45. One of my favorite chapters in the Bible. L'un des chapitres favoris de la Bible. The Bible predicted 150 years before he was born that Cyrus would lead the armies to overthrow Babylon. Et la Bible avait déjà prédit 150 ans avant même la naissance de Cyrus que cela arrivera. That's incredible. Et c'est incroyable. 150 years before the guy was born. Et 150 ans avant même la naissance de Cyrus. Could you imagine predicting in 150 years that somebody from some distant land would come and overthrow North America? Est-ce que vous pouvez imaginer prédire 150 ans à partir d'aujourd'hui que quelqu'un va sortir de très loin pour renverser l'Amérique du Nord? Yet the Bible does more than just predict it. The Bible says it's going to happen. Et la Bible ne fait pas que prédire, mais la Bible dit que cela va arriver. After the Medes and Persians, we see Greece come on the scene. Après les Mèdes et les Perses, nous voyons que la Grèce arrive à l'horizon. Greece is representing that the belly and thighs of brass. Et la Grèce est représentée par les cuisses et les jambes. The first great ruler of Greece was Alexander the Great. Et le grand qui a dominé, eh bien, s'appelle Alexandre le Grand. Alexander was a great military leader. Alexandre était un grand leader militaire. He conquered the entire then known world in roughly 7 years. Et il a conquis le monde entier pendant 7 ans. By his mid-20s, he was a great leader. Et environ dans son milieu de vingtaine, eh bien, il a conquis le monde entier. Yet Alexander the Great died in his early 30s. Et il est mort dans ses débuts de trentaine. Some believed he died of fever, which was brought on by alcohol poisoning. Et d'autres disent, certains disent qu'il est mort à cause d'un empoisonnement qu'il a pris dans l'alcool. He could conquer the entire world, but he couldn't conquer himself. Et il pouvait conquérir le monde entier, mais il ne pouvait pas se conquérir. And he died at a very young age. Et il est mort à un âge très jeune. We read from the history of Rome. Et nous lisons à partir de l'histoire de Rome. On June 22nd, 168 BC, at the Battle of Pydna, perished the empire of Alexander the Great 144 years after his death. Le 22 juin 168 avant Jésus-Christ, à la bataille de Pydna, périt l'empire d'Alexandre le Grand 144 ans après sa mort. And after Greece, there would come a fourth great world empire. Et après la Grèce, eh bien, il y aura un quatrième royaume. Let's read about it in Daniel 2 and verse 40. Et lisons dans Daniel chapitre 2, le verset 40. The Bible says in Daniel 2 and verse 40. La Bible dit dans Daniel chapitre 2 au verset 40. And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all these shall it break in pieces and bruise. Et il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. The Bible says that the fourth great kingdom would be strong as iron. Et la Bible dit que le quatrième royaume sera fort comme le fer. Iron is a fitting symbol for Rome. Et le fer est un symbole qui représente bien Rome. Rome is often called the Great Iron Monarchy. Et Rome est souvent appelé, eh bien, le monarque de fer. You see, Rome was different than the other world kingdoms. Et Rome était différent des autres royaumes. Rome was a brutal, a violent empire. Et c'était un empire brutal et violent. They would go into a village and they would slaughter everyone that was there. Et ils rentrent dans un village et ils tuent tout ce qui existe. They had iron swords and iron shields. Et ils ont des épées en fer et des cuirasses en fer. And when Rome conquered Greece, Greece was using armor. Greece was using shields that were made of brass. Et quand Rome a conquis la Grèce, ils utilisaient des cuirasses qui étaient faites en cuivre.
Iron is a stronger metal than brass, which is one of the reasons why they were able to conquer Greece. Et le fer est un métal beaucoup plus fort que le cuivre, c'est la raison pour laquelle ils ont pu conquérir la Grèce. Rome was in power when Jesus was born. Rome was in power when Jesus died on the cross. Et c'est Rome qui contrôlait la terre quand Jésus est né. It was Rome that put those iron nails into his hands. It was a Roman soldier that pressed that iron spear into his side. Et c'est Rome qui a mis les clous dans les bras de Jésus, et c'est un soldat romain qui a percé le côté de Jésus avec du fer. Yet the Bible tells us that Rome would not last forever. Et mais la Bible dit que Rome ne va pas durer pour toujours. Now Rome did not fall like the other world empires. Et Rome n'est pas tombé comme les autres empires. You see, Babylon was conquered by Medo-Persia, who was conquered by Greece, who was conquered by Rome. Et Babylone a été conquis par les Mèdes et les Perses, et les Mèdes et les Perses ont été conquis par les Grecs, et les Grecs ont été conquis par Rome. But Rome did not fall to another great empire. Et Rome n'a pas été conquis par un autre grand empire. Instead, Rome suffered from political strife. Et au lieu de tout cela, Rome a souffert de souffrances politiques. There was moral decay within Rome. Et il y avait l'immoralité qui a rongé Rome. Rome was being invaded by these barbaric kingdoms. Et les royaumes barbares ont envahi Rome. And instead of being conquered by a great world empire, et au lieu d'être conquis par un grand empire, history tells us that when Rome fell, it in fact was divided. Et l'histoire dit quand Rome est tombée, Rome a été divisée. This brings us to the feet of iron and clay. Et cela nous amène au pied de la statue qui est faite en fer et en argile. Let's read about them in Daniel chapter 2 in verse 41. Et lisons dans cela Daniel chapitre 2 verset 41. The Bible says in verse 41, and whereas thou sawest the feet of toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest iron mixed with miry clay. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. The Bible tells us that it would be divided. Et la Bible nous dit que ce royaume sera divisé. Daniel wrote these words nearly 1,000 years before Rome was divided. Et Daniel a écrit ces paroles au moins 1,000 ans avant que cela se produisit. The Bible now predicts that people would try to bring Rome back together. Et la Bible prédit que les gens vont essayer de remettre Rome ensemble. They would try to unite Europe the same way it was underneath the Roman rule. Et ils vont essayer d'unir l'Europe comme c'était sous l'Empire romain. Let's read it in verse 42 and verse 43. Et lisons cela au verset 42 et 43. Verse 42, and as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. The Bible says that they would mingle with the seed of men, but they would not cleave together. Et la Bible dit qu'ils vont se mêler l'un à l'autre, mais ils ne vont pas pouvoir s'unir. You say, what does that mean, they'll mingle with the seed of men? Et qu'est-ce que cela signifie, se mêler ensemble? Down through time, they have tried to unite Europe through marriages. Et à travers l'histoire, ils ont essayé d'unir l'Europe par des mariages. They have tried to unite Europe through peace treaties, through war, and through religion. Ils ont essayé avec des traités de paix
paix. Ils ont essayé avec des guerres. Ils ont essayé avec la religion. Go back with me 200 years ago. Et allez avec moi il y a de cela 2000 ans. The French ruler Napoleon, 200 years ago. 200 ans de cela. The French ruler Napoleon brought the French armies all across Europe. Et le grand Napoléon a amené son armée, eh bien, l'armée française à travers toute l'Europe. And when you read about Napoleon, he would win battle after battle after battle after battle. Et quand vous lisez au sujet de Napoléon, eh bien, il a gagné des guerres, des guerres et des guerres. Yet eventually there would be a Waterloo. Et éventuellement il y a Waterloo. Notice this from lectures on modern history. Et remarquez ce qui est dit dans l'histoire moderne. The deliverance of Europe from the dominion of Napoleon was effected neither by Russia, nor by Germany, nor by England, but by the hand of God. Ce n'est ni la Russie, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre qui a libéré l'Europe de la domination de Napoléon, mais bien Dieu. It looked as though Napoleon would never be defeated. Et cela semble que, eh bien, Napoléon ne serait jamais défait. Yet Napoleon did not understand Daniel chapter 2. Et pourtant, Napoléon ne comprenait pas Daniel chapitre 2. Go back with me 60 years ago. Il y a de cela 60 ans. The German leader Adolf Hitler. Et le leader allemand est Hitler. His armies spread across Europe as nation after nation fell to the Nazi regime. Et son armée a frappé des nations et des nations. In a speech given back in 1941, Adolf Hitler had this to say. Et en 1941, il a présenté un discours en disant. He said, to my people, we do not need anything from God. We do not ask him for anything except that he may let us alone. Mon peuple, nous n'avons besoin de rien de la part de Dieu. Nous lui faisons aucune requête sauf de nous laisser tranquille. He continues. Il a continué pour dire. We want to fight our own war with our own guns without God. We want to gain our victory without the help of God. Nous voulons mener nos propres guerres avec nos propres armes sans Dieu. Nous voulons remporter notre victoire sans l'aide de Dieu. I once read about a German soldier. Et une fois j'ai lu une histoire au sujet d'un soldat allemand. This German soldier had been studying Daniel chapter 2. Et ce soldat, eh bien, était en train d'étudier Daniel chapitre 2. This German soldier understood the rise and fall of these world kingdoms. Et il a compris, eh bien, quand un royaume, eh bien, monta et quand un royaume, eh bien, aussi tombait. This German soldier had read in Daniel 2 where the Bible says they shall not cleave one to another. Et ce soldat, il a lu qu'ils ne seront point unis l'un à l'autre. Word eventually made its way to Adolf Hitler regarding this chapter. Et il a le say it again. Eventually Adolf Hitler heard about Daniel chapter 2. Et éventuellement Hitler a entendu parler de Daniel chapitre 2. This German soldier knew that the Nazi army would fail because Daniel predicted that they would not cleave together. Et ce soldat, il savait que son armée n'allait pas gagner parce que Daniel l'avait prédit. And when Adolf Hitler heard this, he said, then we need to change the Bible. Et quand Adolf Hitler a entendu cela, il a dit, il nous faut changer la Bible. Yet the Bible says that it does not change. Et la Bible dit que cela ne se changera pas. Malachi chapter 3 verse 6 says, for I am God, I change not. Malachi chapitre 3 verset 6 se déclare, je suis Dieu, je ne change pas. In the book of Hebrews, it says that God is the same today, yesterday, and forever. Et dans le livre des Hébreux, il a dit, eh bien, je suis le même Dieu aujourd'hui, hier et pour toujours. When Bible prophecy predicts the future, we can trust that prediction. Et quand les prophéties bibliques, eh bien, nous disent ce qui va arriver, nous devons faire confiance à ces prophéties-là. As we study Daniel 2. Et tandis que nous étudions Daniel 2. God predicted the rise and fall of Babylon. Et Dieu a prédit que ce royaume de Babylone allait s'élever et ce royaume allait tomber. God predicted the rise and fall of Medo-Persia. Et Dieu avait prédit aussi la montée des Mèdes et des Perses.
God predicted the rise and fall of Greece, the rise and fall of Rome. Et Dieu avait prédit aussi la montée de Grèce et la chute de Rome aussi. God's word tells us that Rome would be divided, that Europe would be divided. Et la Bible prédit que l'Europe serait divisée. Yet there's one more part of the prophecy that we must look at. Et il y a une dernière partie de la prophétie que nous devons regarder. And this is the part that's going to affect all of our lives here tonight. Et c'est cette partie de prophétie qui va affecter notre vie ce soir. Daniel chapter 2 talks about a rock that was cut out without hands. Et Daniel chapitre 2 parle de cette pierre, eh bien, qui est sortie sans le secours d'aucune main. Let's go back to Daniel chapter 2 and verse 34. Et regardons Daniel chapitre 2 verset 34. Let's read this verse one more time. Et lisons une fois de plus ce verset. The Bible says, "Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces." Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. And verse 35 continues. Et le verset 35 continue. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain, and it filled the whole earth. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. The Bible says that this rock was cut out without hands. Et la Bible dit que cette pierre se détacha sans le secours d'aucune main. That means this rock was not made by man. Et cela veut dire que cette pierre n'a pas été confectionnée par les hommes. This rock is divine. Et cette pierre est divine. This rock represents God. Et cette pierre représente Dieu. Jesus is called the rock of the ages. Jésus est appelé le rocher des siècles. The Bible says a wise man builds his house on rock. Et la Bible dit que l'homme sage construit sa maison, eh bien, sur le roc. God wrote the Ten Commandments in stone. Et Dieu a écrit les dix commandements sur des pierres. In the Bible, something that is made of rock represents eternity. Et dans la Bible, eh bien, ce qui est fait sur des pierres représente l'éternité. I want you to notice where this rock hits. Et j'aimerais que vous remarquiez, eh bien, l'endroit précis où cette pierre a frappé. Let's go back one slide. Et retournons en arrière un peu. Notice that the rock does not hit the head. Et remarquez que la pierre n'a pas frappé la tête. We are not living during the time of Babylon. Et nous ne vivons pas au moment du temps de Babylone. The rock does not hit the chest. Et la pierre n'a pas frapper la poitrine. We are not living during the time of Medo-Persia. Nous ne vivons pas pendant la période des Mèdes et des Perses. The rock does not hit the belly, the rock does not hit the legs. Et la pierre n'a pas frappé le ventre ni les cuisses. The rock hits the feet that are made of iron and clay. Et la pierre a frappé les pieds qui étaient faits en fer et en argile. Friends, this is where we are living today, down there in the feet. Et bien-aimés, c'est exactement l'endroit où nous vivons maintenant de la prophétie qui concerne les pieds. Someone once said, "We're not in the feet, but we're in the toenails." Et quelqu'un eut à dire, nous ne sommes pas dans les pieds, mais nous sommes dans les ongles des orteils des pieds. Someone else said, "No, we're not in the toenails, we're in the toe jam." Et nous ne sommes pas seulement dans les ongles des pieds, mais de l'orteil. Merci. I'm going to stop there. Et je vais arrêter là. But sometimes life feels that way, doesn't it? Et des fois, la vie, eh bien, nous fait sentir cela. You see, that rock is going to come for everybody. Et remarquez que cette pierre va venir pour tout le monde. And if the rock falls on you, it's going to crush you, it's going to break you. Et si cette pierre tombe sur vous, eh bien, ça va vous briser. Do not let the rock fall on you. Et ne permettez pas à cette pierre de tomber sur vous. But instead, fall on the rock yourself. Et au lieu, eh bien, tomber sur
la pierre vous-même. Because when you fall on the rock, that means you are broken. Et quand vous tombez sur cette pierre, cela veut dire que vous êtes brisé. When you fall on the rock, that means you want to give your heart to Jesus. Et quand vous tombez sur cette pierre, cela signifie que vous voulez donner votre cœur à Jésus. As Nebuchadnezzar hears the interpretation. Et tandis que Nebuchadnezzar a écouté cette interprétation, Daniel tells him the dream is certain and the interpretation is thereof sure. Daniel lui dit que le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel says you can trust the dream and you can trust the interpretation. Et Daniel lui dit tu peux faire confiance au songe et aussi à l'interprétation. And notice how Nebuchadnezzar responds. Et remarquez comment Nebuchadnezzar a répondu. In Daniel 2, Nebuchadnezzar says, truly your God is the God of gods, the Lord of kings and a revealer of secrets. Et il dit en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. Nebuchadnezzar recognized there was something different about this God. Il a reconnu qu'il y a quelque chose de différent au sujet de ce Dieu-là. He recognized there was something different about the God that Daniel served. Il a reconnu qu'il y a quelque chose de différent au sujet de ce Dieu que Daniel sert. I pray tonight that you would recognize the same thing. Et je prie ce soir que vous puissiez reconnaître la même chose. The God that took care of Daniel is the same God that can take care of us. Ce Dieu qui a pris soin de Daniel, il est capable de prendre soin de nous aussi. One of my favorite Bible verses is Isaiah chapter 46. Un de mes versets favoris se trouve dans Ésaïe chapitre 46. The Bible says, "For I am God and there is none else. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done." Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. God says that he is God and there's nobody else like him. Et Dieu dit il est Dieu, il n'y a personne qui le ressemble. The Bible not only gives us prophecy but it predicts the future. Et la Bible ne donne pas seulement des prophéties, mais la Bible prédit le futur. And it predicts the future with 100% accuracy. Et la Bible prédit le futur avec une exactitude 100%. Our final Bible verse tonight. Et notre dernier verset pour ce soir. John chapter 14. Jean 14. Jesus says, "Let not your heart be troubled." Jésus déclare que votre cœur ne se trouble point. Is your troubled heart? I'm sorry. Is your heart troubled tonight? Est-ce que votre cœur est troublé ce soir? Maybe you had a bad day. Peut-être que vous avez eu une mauvaise journée. Maybe it was one of those weeks and you were so glad it's Friday. Et peut-être que c'était une de ces semaines et vous êtes si heureux que aujourd'hui est vendredi. With a group this size, I know each of us have trials and challenges that we face. Avec un groupe de cette grandeur, je sais que vous avez des défis énormes. The devil is going to make sure that we have challenges. Et le diable va s'assurer que nous avons des défis. But God makes sure there is an answer. Et Dieu s'assure qu'il y a toujours une réponse pour vous. The Bible continues. Et la Bible continue pour dire. Jesus says, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, and I go to prepare a place for you." Jésus déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jesus is preparing a mansion for each of us. Jésus a été préparé un palais pour chacun d'entre nous. And you will never see a foreclosure sign in front of one of those mansions. Et vous n'allez jamais trouver sur votre maison, eh bien, une interdiction de la banque qui dit votre maison est saisie. Jesus continues in this wonderful promise. Et Jésus continue avec sa promesse extraordinaire. He says, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jesus promised he's coming back. Jésus a promis qu'il reviendra. Jesus is that rock. Jésus est cette pierre. And Jesus always keeps his promises. Jésus tient toujours sa promesse.
I want you to think about something this evening as we close. Et j'aimerais que vous pensiez à quelque chose tandis que nous sommes en train de terminer. The God that Daniel served. Le Dieu que Daniel a servi. The God of this Bible. Le Dieu de cette Bible. The God of all of heaven. Le Dieu de tout le ciel. The God of all of creation wants to have a relationship with each of us. Le Dieu de toute la création, il veut avoir une relation avec chacun d'entre nous. The Bible says that God loves us with an everlasting love. Et la Bible dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. This God is so big that he can predict the rise and fall of world kingdoms. Ce Dieu est si grand, il peut prédire comment ce royaume commence et comment ce royaume va finir. History has followed the Bible like a blueprint. Et l'histoire suit la Bible textuellement. If God is big enough to guide the destiny of these world kingdoms, is he big enough si Dieu to take care of the problems in our life today? Si Dieu est capable de diriger la destinée de l'histoire de la terre, est-ce qu'il est aussi grand de diriger la destinée de votre vie ce soir? But he's small enough to live inside of our hearts. Mais il est si petit pour vivre à l'intérieur de notre cœur. And that is where he wants to dwell tonight, inside of your heart. Et c'est exactement là où il veut demeurer. À l'intérieur de notre cœur. It is not by accident that you came to the seminar. Ce n'est pas par accident que vous êtes venu à ce séminaire. Maybe you got a brochure in the mail. Peut-être que vous avez reçu une brochure par la poste. Maybe you saw it on Facebook. Peut-être que vous l'avez vu sur Facebook. Maybe you saw a poster or somebody gave you an invitation. Peut-être que vous avez vu un poster ou bien quelqu'un vous a remis l'invitation. You are not here by chance. Vous n'êtes pas ici par chance. God has a wonderful and a beautiful plan for all of your lives. Et Dieu a un plan magnifique pour chacune de votre vie. I challenge you tonight to take advantage of this seminar. Je vous lance le défi ce soir de prendre avantage de ce séminaire. If tonight, si ce soir, you want to be ready when that rock comes back. Vous voulez être prêt quand cette pierre va revenir. Tonight you want to be ready when Jesus returns. Ce soir vous voulez être prêt quand Jésus revient. I invite you to join us as we sing our closing song. Oh, je vous invite à vous joindre à nous tandis que nous allons chanter notre chant pour terminer. The words are up on the screen. Et les paroles sont sur l'écran. It's one of my favorite songs and we'll sing through it two times. Et c'est l'un de mes chants favoris et nous allons chanter deux fois. Join us as we sing, turn your eyes upon Jesus. Oh, joignez-vous à nous tandis que nous chantons, fixe les yeux sur le Maître.
If you enjoyed tonight's presentation, I would encourage you to come back here tomorrow night. Et si vous avez apprécié la présentation de ce soir, je vous invite à revenir demain soir. I will be presenting an entire new presentation tomorrow at 7 p.m. Demain à 7 heures, je vais présenter un nouveau sujet. Why do bad things happen to good people? Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Why are there natural disasters? Why do people have to die? Pourquoi il y a des désastres naturels? Pourquoi les gens se doivent mourir? If God is such a God of love, then why? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi? Tomorrow night we are going to examine that question. Et demain soir nous allons examiner cette question. Tomorrow night we're going to learn how Satan is trying to deceive the entire world in these last days. Et nous allons voir comment Satan va décevoir le monde entier dans les derniers jours. Tomorrow night 7 p.m. make sure you are here, mark it on your calendar. Et demain soir à 7 heures précises, soyez ici. We will also be here on Sunday night. Nous serons ici aussi dimanche soir, and Tuesday night, et mardi soir, and on Wednesday night, et mercredi soir. Now, just to let you know, there is a website that you can go to. Et je dois vous dire qu'il y a un site sur lequel vous pouvez y aller. These presentations are being recorded each night. Et ces présentations, nous les enregistrons chaque soir. So if you came in a little bit late tonight, et si vous arrivez un peu en retard ce soir, or maybe your mind was wandering a little bit, ou bien vous pensez à quelque chose pendant la présentation, or maybe there's somebody that you would like to invite, ou bien peut-être que vous avez quelqu'un que vous aimeriez inviter. If they go to our website, we are going to upload the videos of each presentation. Et si vous allez sur notre site, eh bien nous allons mettre cette présentation là. Now the website is, et le site c'est lemondechange.ca. Better say it one more time. Lemondechange.ca. Now if you do not have access to the internet, we're also going to be recording these on CD, I believe, or maybe DVD. OK, si vous n'avez pas accès à l'internet, eh bien nous l'avons enregistré sur CD et peut-être DVD. And we will have some of these on later nights for you to borrow. Et nous allons en avoir à votre disposition que vous pouvez prêter. When you leave tonight, make sure you grab that book that was promised. Et avant de partir, assurez-vous de recevoir le livre que nous vous avions promis. And make sure you grab a copy of my sermon notes from tonight. Et assurez-vous aussi de recevoir une copie, eh bien, des notes de la présentation de ce soir. There might be some additional verses in my notes that I didn't cover tonight. Et peut-être qu'il y a des versets additionnels dans mes notes que je n'ai pas présentés ce soir. So you're going to want to make sure you grab a copy. Et vous allez vous assurer de prendre une copie. Let's have a closing prayer. Et nous allons prier avant de partir. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous avoir instruits à travers ta parole. Merci d'avoir assuré toi-même la sécurité de ces lieux. Et merci pour chaque ami qui nous ont honorés par leur présence, tandis qu'ils retournent dans leurs demeures respectives. Que tu continues à assurer leur sécurité. S'ils ont des difficultés dans leur foyer, nous te demandons d'intervenir puissamment toi-même. S'ils ont des difficultés à l'école, au travail, interviens en leur faveur. Et comme tu as délivré Daniel, délivre aussi tes enfants. Nous comptons sur toi. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Avant de quitter cette salle, nous avons une annonce à faire. Nous allons offrir ce livre seulement à nos amis invités. Tous nos invités dans cette salle vont recevoir ce livre. C'est un trésor. La prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance humaine ne saurait accomplir. Vous avez vu vraiment ce que Daniel a fait avec la prière. Lisez ce petit livre. En sortant, nous avons vraiment des amis qui vont vous donner vraiment ce petit livre.